Direction la capitale Meurthe-et-Mosellane cette semaine pour découvrir une table franco-vietnamienne, Cookie, une maison d'enseigne qui porte le surnom de son chef, Anco Lê. Élevé au bon petit plat de son papa vietnamien, Anco a toujours su qu'il serait chef cuisinier. Il se forme sur les bancs de l'école hôtelière Stanislas à Nancy. Pendant plus de 10 ans, il travaille dans l'événementiel, une expérience enrichissante qui lui permet de peaufiner son projet. C'est en janvier 2017 qu'il crée son restaurant Cookie, une maison à son image où il mélange son pays d'origine, le Vietnam, et les grands classiques de la gastronomie française, héritage de ses années d'études. Pourra Fedou nous invite à réaliser un tartare de poisson en entrée. Pour le plat, il est parti sur du pha, plat traditionnel vietnamien, et en dessert, il travaille autour de la poire et du caramel passion. On le rejoint immédiatement. Anco, on a du bar. Qu'est-ce que tu as prévu en entrée avec ça? Un tartare de bar avec une brunoise de fruits exotiques et des grenades, des agrumes. Ok, donc on commence par quoi? Dis-moi. On va commencer par faire l'assaisonnement. Ouais, ça marche. Alors, donc l'assaisonnement, c'est quoi? C'était à marinade, ça va mariner, bon, c'est exactement, ça? C'est ce qui va apporter tout le relief dans la recette. Donc, on va vraiment apporter les ingrédients vietnamiens. D'accord. Hein? Sauf là, évidemment, on a un vinaigre japonais qui est le mérine. Mm-hmm. Donc là, c'est juste pour pepser un peu la préparation. D'accord. On n'en met pas trop parce qu'on va apporter le kombava et tout à l'heure le citron vert. D'accord. Le donc, t'es parti sur après des agrumes. Voilà, exactement. Donc là, le nook mam, c'est la sauce de poisson. Vietnamien, qui est vraiment vietnamien, pas chinois, etc. C'est vraiment fait là-bas. Un peu de sauce soja, en fait, c'est pour éviter de saler, mais je vais saler avec la sauce soja. D'accord. Donc, ton assaisonnement, il va se faire uniquement comme ça? Oui, exactement. Là, on va mettre l'huile de sésame. D'accord. Ici, du poivre de Sichuan. Ah, super. Donc là, on va retrouver les petites notes d'agrumes. Exactement. Mmh. J'adore. C'est comme des baies. C'est pas un poivre qui poivre, en fait. Non. Et là, on va les zester, le kombava, que j'adore. Hein. Ça, c'est dans la cuisine des îles, ils l'utilisent beaucoup aussi. Mmh. Donc, c'est un agrume qu'on n'utilise que les Corses. D'accord. Voilà. Et qui est vraiment atypique. Est-ce que ta préparation, là, elle doit, entre guillemets, un peu infuser ou non? Tu peux même la faire minute? Ah oui, oui, non, il n'y a pas besoin de faire infuser quoi que d'accord. ce soit. On pouvait le faire directement en live. D'accord, juste voilà. Avant de la exactement. Préparation, ça c'est possible. D'accord. Quelques zestes de citron vert, mais pas trop parce qu'on a mis du kombava. D'accord. On peut utiliser aussi de l'orange, d'autres agrumes, c'est plutôt sympa. Ou des clémentines quand c'est la saison. Ah, exactement. Ouais, super. Ah ouais, donc, tu utilises, voilà. Là tu remplaces, exactement. Au lieu de citron vert, tu mets de la clémentine. Exactement. Et là, je vais mettre le jus de citron. D'accord. Pas trop non plus parce que ça va trop cuire le tartare. Mmh. Voilà, c'est juste pour pepser. On va ajouter... C'est quoi ça? Du gingembre. D'accord. Haché. Alors, la particularité chez moi, c'est que je n'épluche pas le gingembre. Pourquoi? Tout simplement parce que ma grand-mère et mon père qui cuisinaient n'ont jamais épluché le gingembre. D'accord. Donc, le cuisines comme ça? Directement. Et du coup, il n'y a pas de croquant, non? Ça va? Très peu. Ah, tu verras tout à l'heure quand j'essaierai. En plus, vous gagnez du temps. Oui, c'est vrai. Voilà. Et bien, l'assaisonnement se termine là. On n'aura bon plus qu'à l'intégrer tout à l'heure. D'accord. Donc, on laisse ça de côté. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe du bar? Oui. Donc là, tu as levé les filets. Voilà, donc... Tu es parti sur du bar parce que c'est un pourquoi? Parce que c'est un poisson très fin, qui a une texture intéressante. On pourrait aussi légèrement le saler, genre une petite demi-heure avant. D'accord. Pour affermir un peu les chairs. Mm-hmm. Mais là, on va l'utiliser tel qu'il est, il est plutôt joli. D'accord. Donc là, on va enlever la peau. Tu es parti sur du bar, on peut prendre quel autre poisson pour faire un tartare? Dorade. Mais on peut aussi très bien utiliser truite saumonée, saumon. Mais la dorade royale, c'est parfait aussi. Hein. Mm. Une fois qu'on a enlevé la peau, on va tailler comme une petite julienne. On mange au Vietnam du poisson cru? Très peu. D'accord. J'en ai pas beaucoup mangé. C'est plutôt des poissons type poisson chat que normalement en France on mange pas trop. Non, c'est ce que j'allais dire. Et les Vietnamiens utilisent le poisson très très cuit, c'est-à-dire qu'ils vont confire durant 3-4 heures. Donc en fait, on mange même les arêtes.
C'est pas vrai. Ah, si. D'accord, ok. Si, si, ils sont tout confits. Pour le coup, c'est tout l'inverse de la cuisine vietnamienne. Ouais. C'est cru. Voilà, moi, je trouvais intéressant de pouvoir utiliser le tartare, parce que j'adore manger ça, et le vietnamiser, en fait, plutôt ça. D'ailleurs, c'est vraiment le propre de ta cuisine ici. Tout à fait. C'est avoir des recettes qui viennent d'un petit peu partout, finalement, France ou même ailleurs, et tu ajoutes cette petite note Vietnam. Parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ne pas avoir de limites, en fait, dans la cuisine et s'octroyer quelques classiques pour lesquels on peut activer plein de petits assaisonnements rigolos. Et d'ailleurs, on suit les saisons aussi. On peut utiliser plein de choses à des bons moments. Parce que tu me disais tout à l'heure, la clémentine. La clémentine, c'est super hein, dans la cuisine. Hein, les agrumes en général avec le poisson, ça marche très bien. Là, on va passer sur toute la partie fruits exotiques qui va orner la recette. D'accord. Et donc là, on va mettre tous ces donc mangue. Mangue verte. Ouais. Donc en fait, mangue acide. En fait, ça va remplacer un peu la Granny Smith. Okay. Je trouvais ça plus intéressant de travailler une mangue. On va avoir la papaye verte. En fait, c'est pareil, c'est pour la texture. D'accord. Donc, on va avoir quelque chose de croquant. Tu mettras aussi la grenade avec ? Oui, évidemment. Super. Évidemment. Et après, on n'a plus qu'à assembler tout ça. Tout simplement. On va aussi ajouter l'ail noir. D'accord. Hein, qui va aussi apporter sa petite dimension. D'accord. Donc, on s'occupe de couper les petits fruits en brunoise. Exactement. Et après, on n'a plus qu'à assembler tout ça et on dresse. Voilà, c'est assez simple hein, finalement. Bah, il n'y a pas de cuisson. C'est top. C'est top. On retrouve tout de suite en fait le gingembre, le goût de coriandre. Tout à fait. Et derrière, en fonction d'effectivement de là où tu tombes, t'as la grenade qui explose, t'as le côté un peu citronné. Si tu tombes sur un petit bout de zeste de kumbawa, c'est autre chose. Exactement. C'est top. C'est une recette facile à faire et là, ça a plein de saveurs. Et automne comme été, on peut manger. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. C'est vraiment top. C'est une belle recette. Pour le plat, t'es parti sur quoi ? Alors, je voulais faire découvrir le pho. D'accord. C'est le pot-au-feu vietnamien, hein. Vraiment le plat phare qui orne tous les petits déjeuners des Vietnamiens. D'accord. Donc moi, je voulais le faire découvrir sous un format un peu différent, mais que le goût essentiel du bouillon il soit là.